OK. Donc là, c'est bon, vous avez compris le principe. Donc pour cet input, par exemple, sans placeholder, ça sera ici entrée votre email. Parce que là, on va vouloir l'utiliser pour récupérer ici le mail. Donc, on va ramener ça à la ligne, histoire de rendre ça le plus visible possible. Donc pour cet input, donc, on va lui dire qu'elle aura ici un type et le type, ça sera ici email. Voilà. Donc elle aura, ça sera ici une input de type email. Et pour cet input, on va lui passer ici une classe spéciale. Donc on va lui passer ici une classe name. Et puisqu'on passe ici les propriétés, il va envoyer directement la classe name là-bas. Donc on peut se permettre. Et si cette classe name, on peut lui donner ici la classe de input default p-0. Donc encore une fois, ça, ce sont des classes qui ont déjà été créées et vous pouvez les trouver au niveau ici du fichier index.css. Si vous recherchez input default, vous allez voir qu'on a ici le input qui est appliqué, qui est directement défini à ce niveau. Donc si on fait ce qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre interface, on voit qu'on a ici notre input qui apparaît avec ici un petit fond et une petite bordure qui la rend nettement meilleure que l'input de base qu'on avait. Donc là, ici, on a réussi à créer ici une composante personnalisée ici pour pouvoir gérer ici nos différents inputs.